Moi, je me rappelle lorsqu'on marchait ensemble, qu'on s'est rendu pour le premier meeting de création, et tu as dit, peu importe mon ami, l'avenir nous appartient. Et là, c'était clair qu'on avait le titre. On savait pas c'était quoi le reste. Au moins, on avait un titre. C'était un point de départ. Je me souviens aussi qu'après ça, on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas encore présentement et qu'on peut présenter différent. Et c'est là où l'idée de s'inspirer du journalisme de solution est arrivée. Il s'en fait partout dans le monde, beaucoup moins ici. C'est vrai. Parce qu'on a tendance à penser souvent que c'est un journalisme de bonnes nouvelles. On ne voit que du positif ou on ne présente que le beau et le positif, alors que c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est l'idée de dire, OK, on peut regarder le problème sous tous les angles, mais après, là, au bout du tunnel, y a-tu déjà des gens qui sont rendus là? Parce que des fois, il y a des gens qui sont deux puis trois coups d'avance sur une problématique. Fait que je pense que ça peut être intéressant autant d'aller voir des gens qui sont établis que des gens qui ne sont pas connus. Quelles sont leurs idées et est-ce qu'on peut les récupérer?